Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog et surtout un tuto pour vous dire et montrer comment faire un parc à lapins en extérieur. C'est parti! Alors, pour faire un enclos à lapins extérieur, il faut d'abord penser au niveau de la hauteur. Moi, j'ai pris un niveau hauteur de palette, du coup, ça fait minimum 1 mètre de hauteur. Ma plus petite, c'est celle-là qui fait 1 mètre. Celle-là doit faire 1 m 10. Et celle-là, là-bas, doit me faire 1 m 15. Environ. 1 m 10 ou 1 m 10, 1 m 15. Mais sinon, ils sont au minimum 1 mètre. Il y a juste là où, du coup, au niveau de la cabane, ça fait pas 1 mètre. Sinon, c'est minimum 1 mètre pour les lapins nains. Et environ, c'est 1 mètre pour les lapins, quoi. De hauteur. Ensuite, faut penser aussi l'espace que ça va prendre, parce qu'il faut au minimum 3 mètres carrés par lapin. Alors, je sais, j'y suis pas du tout. Il me manque, justement, il me manque 3 mètres carrés. Mais ça va être que pour 2 lapins, parce que là j'en ai 5, mais j'en ai 3 à vendre, dont une réservée, une deuxième en pleine réfection. Alors, j'ai celle-là qui est réservée, celle-là qui est la personne en pleine réfection. Et celle-là qui est toujours en vente. Sinon, moi je garde elle. Et du coup, ben, elle, ben, c'est la mère quoi. Du coup, pour 2 lapins, ça le fait. Au pire, 3, ça le fait. Après, du coup, faut penser aussi à l'emplacement où le mettre. Moi, j'ai mis un emplacement où ça gêne pas du tout. C'est au niveau de mes animaux. Là, on a ce qu'il faut pour passer des choses quoi. La remorque par exemple. Et faut aussi penser au niveau de l'abri et tout ce qui s'ensuit. Alors, du coup, moi j'ai pris des palettes que j'ai démonté le derrière pour remplir le devant, que j'ai accroché à la cabane ici. Hop. J'ai vissé une palette, enfin un bout de palette. Direct, une vis là directement à la cage avec une équerre. Hop, et c'est comme ça que du coup elle tient directement à la cage. Ensuite, les palettes entre eux, j'ai coupé des morceaux de palettes aussi. Hop, là et là. Pour faire tenir que j'ai fait tout le long. Il y a juste dans les angles où j'ai mis des équerres, une là et une qui est en bas. Hop, voilà. Et du coup, mes plantes, que de base j'aurais bien voulu mettre là, mais c'est pas le sujet. Ici, c'est pareil, j'ai mis ça là pour accrocher et j'ai mis une surface en grillage pour que les lapins aient quand même une vision à l'extérieur. Moi, je trouve, pour moi, ça reste obligatoire que les lapins puissent voir à l'extérieur de leur parc, qui n'ont peut-être pas accès, moi ils n'ont pas accès. Il y a juste la mère Warnée des fois, mais les petits n'ont jamais accès. Mais au moins qu'ils puissent voir ce qui se passe à l'extérieur, ou même quand les... Moi j'ai ma nièce des fois qui vient regarder et du coup elle peut se mettre directement devant. Ça évite qu'elle rentre dans le parc. Là du coup j'ai accroché aussi avec des équerres que j'ai aplatis sur une pierre et un marteau. Pour ce qui s'agit de la porte. Alors j'ai posé la palette sur l'endroit où je pouvais la couper. J'ai commencé par découper ce côté-là. Il me reste deux planches de palette non découpées. Ensuite, une fois que juste ça s'était coupé, j'ai pris une vis, enfin j'ai pris un bout de palette. Toi, tu sors pas? Hop. J'ai directement vissé là, hop, pour pas tout perdre. Ensuite, j'ai coupé le deuxième côté. Non, bon, c'est mal coupé, mais bon, voilà. Et j'ai refait la même chose. J'ai pris un bout de palette que j'ai vissé. Les vis, que ce soit là ou là, pour que ça tienne mieux, j'ai vissé à chaque palette. Attendez, j'ai un lapin enfui. C'est bon, madame a rejoint ses petits copains, ses copines. Hop, que du coup, ouais, j'ai vissé à 4 bouts, enfin, à 4 chaque pal. Ah, si, là, ah, je trouvais pas. Là, là, tu ne ressors pas, petit lapin. Là aussi, c'est pareil, j'ai fait à chaque fois, enfin, tout le long, quoi.
Hop. Après, une fois que ça s'était fait, j'ai commencé à mettre ça et ça. Et pour finir, j'ai coupé la planche que du coup, sinon on ne pouvait pas ouvrir. Hein. Ici, j'ai accroché, c'est fait le même système que tout à l'heure. Hop. Que pour le bon, en tout cas. Là, j'ai mis une vis là et une vis, vous n'allez pas voir, ici. Hop, j'en mets la pour voir. Et accroché avec une petite équerre. Là, c'est pareil, j'ai accroché avec une équerre en bas. Enfin, en haut et en bas. Hop. Alors, petit abreuvoir. Que j'en mette correctement. Voilà. Et du coup, ce qu'il s'agit en tout cas du parc des lapins. Du coup, de l'intérieur, ça donne ça, quoi. Et grillage, ben, j'ai pris toute une grande surface de grillage que j'ai accroché. Il y a juste là, j'ai eu un petit souci, mais bon. Voilà. Accroché, alors j'ai pris une vis j'ai plus une main en tête. Et le petit machin en métal, hein, pour accrocher le grillage. Après, du coup, j'ai la cabane là que j'ai acheté, pas toute neuve. Enfin, c'est une personne qui l'a fabriqué et je lui ai demandé de m'en fabriquer une. Du coup, j'ai payé 80€ la cage. Franchement, c'est pas du tout cher par rapport à une cabane. Hein. En dessous, alors, j'ai en train de leur apprendre la propreté au petit lapin. En dessous, j'ai mis une planche. Et pour apprendre la propreté, c'est plus facile. Et ici, là, j'ai un tiroir. Enfin, je vais pas ouvrir complètement, sinon tout va tomber par terre. Hop. Et un râtelier que j'ai accroché avec une tige en métal. Hop. Ici, j'ai mis un bout de bâche là et un bout de bâche ici. Comme ça, si... Ouh, petit lapin. Comme ça, si il pleut, c'est bien plus pratique. Après, pour ce que j'ai eu de l'extérieur, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, j'ai trouvé un parpaing avec un truc en dessous là, comme ça, ça fait un peu comme un tunnel. Je leur ai fabriqué ça. Une cabane en bois. Oh, ça s'est cassé là. Le bout est là. Mais bon. Après, j'ai pris un vieux cageot, j'ai posé ça sur une pierre. La pierre qui bloque la porte. Ça, c'est pour fermer. Hop. Ici. Mais j'ai eu l'occasion encore. Mais on sait jamais. Hop. Ensuite, je peux aussi ouvrir du dessus. Hop. J'ai aussi pris un tunnel. Ils ont de l'herbe, des carottes, de la pomme, un petit jouet ici. Pour ce qui est de l'eau, alors, l'eau, j'ai pris un abreuvoir sur AliExpress, un abreuvoir à poule de base. Que j'ai mis à un seau. Du coup, au niveau du seau, hop, reste tout ça en eau. Je l'ai mis il y a quelques jours. Et j'ai rajouté ça pour le surélever, que le bovin ne touche pas. Parce que, en fait, de base, ça, c'est plus au-dessus. Et en fait, après, que j'ai de la perte au niveau du seau, j'ai au moins tout ça du seau qui n'est pas utilisé. Alors, j'ai mis ça vraiment le plus bas possible. Et après, du coup, j'ai surélevé le seau et. Et voilà. Après, pour ce qui est de la gamelle de nourriture, c'est juste une simple gamelle que je pose là-dessus. Hop, c'est tout. Et du coup, voilà pour le parc de lapins. Et du coup, voilà, après, je sais pas ce que je pourrais dire. Si là, j'ai rajouté du foin, enfin, une plaque de foin que j'avais mis là il y a 3 à 4 jours, mais ils l'ont dégommé. Et du coup, voilà ce que j'ai oublié des trucs. Je crois pas. Je crois pas avoir oublié des trucs pour faire un parc à lapins. Après, s'il faut de la patience, moi je sais que j'ai mis une après-midi entière à faire juste le parc. Hein. Mais avant, c'était un vieux parc tout pourri. Pour ceux qui suivent les vidéos d'avant, ils ont dû voir comment le parc était
complètement pourri. J'ai la petite là-bas, Nesquik, qui arrêtait pas de partir de l'enclos par le grillage. J'ai la mère, la blanche, la fly, à bouffer le filet au-dessus et à se barrer par au-dessus. Enfin, voilà quoi. Et du coup, là, j'ai. Avec 1 mètre de hauteur, au moins, ils peuvent pas s'enfuir. Même si elle saute dessus, elle s'enfuira pas. Et elle n'a jamais osé au-dessus, alors je vois pas pourquoi elle le ferait maintenant. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Du coup, voilà. Allez, je vous laisse. Salut!